C'est la mode en ce moment, les smartphones à moins de 200 euros. Aujourd'hui, c'est ZTE qui nous propose le Grand S Flex, un gros 5 pouces avec un très bon écran pour 199 euros et compatible 4G. La qualité première de ce smartphone, c'est son confort d'utilisation. Tout d'abord, grâce à son grand écran de 5 pouces HD, très lumineux, ce qui lui permet d'offrir un bon confort de vision en plein soleil. Le deuxième point fort de ce smartphone, c'est son autonomie. On a mesuré entre 10 et 12 heures d'activité sur batterie avec son écran allumé, ce qui est un record en fait parmi les smartphones à moins de 200 euros qui tournent plutôt autour de 8 heures d'autonomie. Ça va permettre de l'utiliser intensivement pendant toute une journée sans avoir à le recharger. Le point faible de ce smartphone, c'est sa puissance. Son processeur est tout à fait modeste, mais ça reste une valeur sûre. C'est un Snapdragon 400 double cœur. Pas de quoi faire tourner des jeux vidéo perfectionnés, cela dit, de quoi assurer une interface à peu près fluide en toutes circonstances, en bureautique, sur le web, pour écrire ses mails, ses SMS. C'est tout à fait suffisant. Cela dit, c'est un smartphone qui s'adresse aux utilisateurs assez studieux et pas aux utilisateurs exigeants ou aux geeks qui voudront jouer sur leur smartphone par exemple. Deuxième point faible de ce smartphone, c'est son design. Pas très gracieux, les lignes sont un peu grossières, le boîtier est assez épais et surtout l'appareil est un peu lourd par rapport à ses matériaux plastiques. Conclusion, on ne peut pas vraiment demander plus à un smartphone à moins de 200 euros qui s'adresse à des gens plutôt sérieux. C'est un bon smartphone autonome avec un très bon écran dans cette gamme de prix, donc il mérite largement ses 4 étoiles sur 01net.